Bonjour, bienvenue au podcast Du bruit à mes oreilles, c'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis pas accompagné de mon co-animateur habituel, Jack qui va pas être présent. Fait qu'aujourd'hui, j'ai Francis Dumas qui est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Frank? Super bien. Super bien, good, parle-moi de ça. Aujourd'hui, on fait une de demande spéciale. Alexis on Fire, l'album Watch Out. Oh oui. Ok, oui, c'est que ça va dans le post-hardcore aujourd'hui. J'étais bien content quand tu m'as proposé cet album-là. C'est un album qui m'a amené plus vers le hardcore. Avant ça, j'étais plus dans le punk. Puis après ça, ça m'a fait. J'ai découvert Alexis on Fire en intermise de d'autres choses. Puis ça m'a amené plus dans le hardcore que j'écoute beaucoup plus aujourd'hui. Fait que j'aimerais ça que tu me fasses une petite bio de Alexis on Fire, si tu peux me faire s'il te plaît. Aucun problème. En fait, Alexis on Fire, c'est un band qui vient de Sainte Catherine. En Ontario. Ouais, en Ontario. Juste à peu près, à côté ici. T'es à peu près à 6 heures de voiture, là, top max. C'est un band qui a commencé, si je me souviens bien, en début 2001, la formation du groupe. Ok. Tous les gars avaient des bands avant ça. Il y avait tous des groupes, puis au même moment, dans la même année, ils ont tous séparé dans le groupe. Mais c'était tous des gars qui avaient entendu parler. D'un et l'autre. Ouais, il y avait comme un intérêt musical, commun, exactement. Puis ils se sont rejoints, en fait. Ils ont fait le groupe en 2001. Puis ils ont sorti leur premier album en 2002. Alexis on Fire. Alexis on Fire. Quel album? Fire, moi, ma chanson préférée du band est là-dessus. 44 Caliber, Love is Straight for My Heart. Ouais. C'est une excellente chanson, excellent album. Écoute, c'est. Vite comme ça, il y en a beaucoup qui se demandent, en fait. Il y a beaucoup de monde qui écoute Alexis on Fire sans savoir le nom du groupe. En fait, c'est super simple. C'est une drôle d'histoire. En fait, le band au début s'appelait Alexis Fire. Ok. Alexis Fire, qui était le nom d'une star pornographique. américaine. Et quand c'est venu à ses oreilles à elle qu'un groupe canadien avait pris son nom pour leur groupe, elle a menacé de les poursuivre, en fait, en cours. Puis finalement, les poursuites ont été estompées, ils n'en avaient plus. Puis ils ont décidé de changer le nom du groupe pareil, de faire une modification. Pas une grosse, on a rajouté deux lettres, mais quand même. Fait que après ça, ils ont décidé de s'appeler Alexis on Fire. Ils ont fait 6 albums. Okay. Il y a un 7e en fait en 2005 avec Moaning, qui est probablement la plus grande influence qu'ils ont eue dans leur carrière. C'était des amis. J'ai trouvé ça vraiment intéressant comme album. Là. C'était un split avec eux autres. Alexis on Fire jouait les chansons de Moaning. Et Moaning jouait les chansons d'Alexis on Fire. Exactement. Je trouvais que ça amenait un autre visage. Autant aux chansons de Moaning qu'aux chansons d'Alexis on Fire, parce qu'ils ont vraiment adapté à leur façon, puis c'est vraiment quelque chose, là, si vous voulez découvrir ça, là, les auditeurs, là, allez voir ça, c'est vraiment bon. De là où vient le nom Switch Hero, le nom de l'album, avec Moaning. Et en fait, c'est complètement. L'album s'appelait Switch Hero, Alexis on Fire versus Moaning. Comme tu dis, ils ont switché leurs chansons, c'était vraiment intéressant. Alexis on Fire en 2005, dans la même année. Et ont été certifiés disque d'or au Canada, fait qu'ils ont vendu plus de 50 000 exemplaires. Pour un groupe de ce genre-là, c'est impressionnant à cette époque-là. En fait, c'est un Montréalais, puis un autre producteur en Ontario avec un journaliste montréalais qui ont tombé sur Alexis on Fire. Ils ont fait effleurer, si on veut. Ils les ont pris sous leur aile, puis écoute, ça a donné Alexis on Fire d'aujourd'hui. Est assez. Assez quelque chose. Assez un masterpiece musicalement parlant. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, on parle de l'album Watch Out. Ouais, exactement. On va regarder la pochette parce qu'il y a vraiment une pochette vraiment intéressante sur cet album-là. Je sais pas si tu peux me la montrer. Si le monde aime la couleur, ils vont l'aimer l'album. Ah oui, ça pourrait être. C'est haut en couleur. Bon, la pochette, c'est un fond vert là, en carton. C'est une belle petite pochette. Sur le dessus, t'as une femme qui est comme en pleurs, terrorisée par, on dirait comme une armée de squelettes en arrière d'elle. Puis elle est en train, elle aussi, soit de se transformer en squelette ou comme si elle se serait faite manger, là, tu vois ses mains. Il y a beaucoup de couleurs, là, du bleu, du rose.
c'est vraiment là, sa fesse. Là. Tu vas en arrière, quand tu regardes dans le dos de la pochette, là, t'as un autre fond avec des zombies encore. Des zombies plus squelettiques que comme, qu'est-ce qu'on est habitué de voir d'habitude. Là. C'était quand même assez avant-gardiste, je trouve, comme style de pochette, parce que ouais. Dans ce temps-là, les zombies, le monde ne crie pas tant que ça là-dessus. Non. Puis aujourd'hui, tu regardes ça, si le monde est 4 fois de marraine. C'est une pochette qui vieillit super bien, en fait. Au niveau couleur, ça se démode pas. Là, Puis on en regarde à l'intérieur. Là, à l'intérieur aussi, c'est encore très beau. Là, t'as encore où est-ce que t'as les chansons, les paroles des chansons inscrites. T'as encore toutes les squelettes. Puis non, c'est vraiment cool. Puis il y a le fameux petit cœur d'Alexis on Fire, le classique. En tant qu'aimant d'Alexis on Fire, j'avais pas le choix de me le faire tatouer. Ah! Il est sur mon bras. Yes! En fait, j'ai oublié de vous parler des membres du groupe aussi. Ouais, vas-y. Vite, tout le monde connaît Dallas Green. Dallas Green. Moi, j'ai une petite anecdote à propos de ça. Je pense qu'on a tous pas mal la même anecdote face à Dallas Green. Vas-y. Ben, ma voisine d'en bas qui j'écoutais du Alexis on Fire. Dans l'auto, puis elle me disait maudit, ça ressemble à City and Color. Là, ça ressemble pas à City and Color. Puis là, elle me signait, puis elle m'a amené, elle me dit oui, la voix. Genre, j'étais découragé, je dis là, tu me niaises. T'écoutes les deux bands depuis vraiment longtemps, pis tu sais même pas que c'est le même gars que j'ai. C'est le même gars, vraiment. C'est un side project, en fait, City and Color de Dallas Green. Ouais. Tu sais, tu peux faire le lien vite. City and Color, son nom c'est Dallas Green, qui est une ville pis une couleur. Le lien est assez rapide. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas catché ça. Puis j'ai eu la même expérience que toi avec une de mes ex. C'est que ça a l'air que ça arrive, mais bon. Mais ça, quand tu t'intéresses à deux artistes, c'est le moindre des choses de savoir un peu qui est dans les bands. Là, t'as la même personne. Puis... En tout cas, On a une passion pour la musique, tu sais, nous on regarde beaucoup les membres des groupes, tu sais comme moi là, des noms d'artistes dans des bands, je peux t'en nommer, je connais pas juste le chanteur, tu sais. Ah ouais, c'est ça. Je connais le bassiste, il y a des musiciens, tu les connais. Dans le groupe, il y a aussi Wade McNeil, qui est un membre exemplaire, là, écrivain, je suis un fan de cet homme. Wayne McNeil qui a des side projects tels que Black Lungs, il y avait aussi Gallows. À l'époque, il était avec Frank Carter, mais ils se sont séparés, puis lui, il a décidé de reprendre Gallows. C'est-tu bon, C'est bon, ce groupe-là. J'espère qu'un jour, il va faire un podcast sur Gallows. Il fait un esti bon frontman pour Gallows. Il a repris le mic, c'était dur à reprendre ce mic-là. Pour le remplacement de la voix. Il accomplit vraiment bien la tâche. Ouais, parce qu'il y a Frank Carter. Petite parenthèse comme ça. Là. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas Frank Carter, qui est un chanteur hallucinant. Vraiment. Tu veux voir un show, tu veux participer avec le groupe, va voir Gallows. Wade fait comme ce que Frank Carter faisait à l'époque. Écoute, on va dans le mosh pit. Ouais, je pense qu'il reste là quasiment tout le long du show. Il reste là tout le show. Il y a le pit alentour. De Wade, tout le monde chante, tu connais les paroles, ça crie, ça... tout le monde est dans ce soir, on a du plaisir. Il y a George Petit, qui est le chanteur. Écoute. Hey, lui là, il en a dépensé de l'argent en esti dans des chandails en tout cas. Il déchire un char, il doit en déchirer deux par concert facilement. Écoute, George Petit, il y a eu plusieurs bands. Étrangement, j'ai jamais écouté d'autres choses qu'il a fait. Écoute, il a fait en ce moment son nouveau band qui roule depuis quelques années, je te dirais 3-4 ans. Ça s'appelle Dead Tired. Okay. C'est un groupe, écoute, hallucinant. Alexis on Fire, il n'y a pas de clean. Ça ressemble à Alexis on Fire, mais c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus hardcore. Okay. Il n'y a pas de passe mélodique comme avec Alexis on Fire. Il n'y a pas de passe calme. Ça rentre au poste. On parle des chansons 2 minutes et demie, ça rentre. Moi qui trouvais qu'il n'y avait pas assez de chansons de lui tout seul dans Alexis on Fire, d'après moi, je vais trouver mon compte là. Oui, tu vas aimer ça. Tu vas aimer ça, ça je te le garantis. On a Jordan Hastings qui est le drummer actuel, qui est là depuis 2004. Il était avec Billy Talent aussi. Oui, maintenant il est avec Billy Talent. Il remplace le drummer de Billy Talent. Qui avait des problèmes de santé. Ouais, c'est ça. On en parle vite, là, mais il y avait des problèmes d'articulation, ce qui est assez triste pour le drummer de Billy Talent. Surtout quand t'es un
drummer, point, là. Ouais, pour des problèmes d'articulation, c'est pas la meilleure des choses que tu veux avoir. On lui souhaite le meilleur pour le futur à se faire drummer. Yes. Il y a Chris Steele qui est à la bass. Écoute, une bête de scène. Selon moi, il devrait être plus connu. Oh, du ouais. C'est lui qui fait, selon moi, là, toute la présence. Ouais. Là, il donne pas un concert et il donne sa vie. Ah ouais, c'est... Chaque show, il donne sa vie. La présence sur scène qu'il y a, ce gars-là, là, ça serait... Tout serait différent d'Alexandre Fire en live si lui serait pas là. Oui, exactement. Il a de l'air freak au bout des fois, autant qu'il va être... Tu vois qu'il est heureux, dans le fond. Ouais, le gars, il est à sa place. Il y avait, en fait, un seul ancien membre d'Alexandre Fire qui est... Je veux juste en venir sur le bassiste, là. Ouais. Tu sais, dans Fall Out Boy, là. Ouais, P-Twins, c'est lui qui a le fame du Ben, là. Mais dans Alexis on Fire, là, ça devrait être crissement le bassiste, ouais. Comparativement à Stick à Fall Out Boy, on s'entend, on va se dire, là. Toutes les fans. Le beau P-Twin, là. Les fans de musique qui nous écoutent, là. P-Twin, c'est pas un bassiste, ok? Quand t'es un musicien et tu le vois jouer, tu sais que le gars il est juste là pour flasher. C'est une image là, ok? On s'arrête là tout de suite. Le gars c'est pas un musicien, ok? Il joue, il a du plaisir, mais c'est pas un musicien, ok? Puis je veux pas entrer dans un débat, si jamais vous êtes pas d'accord avec moi, écrivez vos commentaires, mais je vous le dis tout de suite, vous gagnerez pas. P-Twin, c'est pas un musicien. Bon. Les mots sont on attaque aujourd'hui. On dénonce les choses. On dénonce les choses, on dit les vrais affaires. Ici Claude Poirier, non, c'est pas ça. Ici Claude Poirier, 10-4. Les individus, là. On a aussi l'ancien membre, en fait, qui, sur l'album qu'on parle aujourd'hui, Watch Out, c'était Jesse Ingelvix. Je sais pas si je prononce bien son nom de famille. C'était le membre original au niveau du drum de 2001 à 2004. Un excellent drummer. Écoute, la vitesse. Ce gars-là, il avait une vitesse au drum. Il faisait pas des passes de fou. Non. C'était pas le genre de gars qui allait chercher 4 toms puis 3 rides. Il jouait sa hi-hat, il jouait sa ride, il jouait son snare, mais le gars il avait du kick. Il rentrait au boss. C'était un autre style, tu sais. On écoute le premier album d'Alexandre Fire, on écoute Watch Out. C'est bon, différent. C'est différent que. Mais autant que j'aime le nouveau, le contraste est là, tu sais. Puis je trouverais ça intéressant si un jour ils ont la chance de refaire peut-être. 2 chansons ou 3 chansons avec cet ancien membre-là. On n'a aucune nouvelle, en fait, il n'y a jamais rien fait d'autre. Rien d'autre. En interne, en projet musical, jamais. Sais-tu pourquoi il est parti ou chicane ou. Je pense que c'était juste pas fait pour lui. Okay. Il aimait la musique, mais c'était pas. Le mode de vie. Ouais, c'était peut-être. Le mode de vie, en fait, qui était pas pour lui. C'est pas pour tout le monde. Puis je pense que c'est trouvé un autre genre de métier. Là. Parce que justement, tu essaies de trouver quelque chose sur lui. Tu cherches sur Wikipédia, tu cherches sur peu importe les sites internet. Moi j'ai rien trouvé en fait sur sa carrière suite à Alexandre Fire après 2004. Alexandre Fire en fait c'est un band pour ceux qui veulent le savoir qui ont commencé en 2001, ils ont arrêté en 2012. Ouais. Ils ont fait leur dernier show en 2012. Une pause de 4 ans. Ouais, ils ont reformé en 2015, mais il n'y a pas de nouvel album depuis. Non, y a rien de nouveau, ils font quelques shows ici et là. Ouais. Je sais pas si on peut espérer. Moi j'espère. Quelque chose de nouveau, ça serait vraiment le fun, moi aussi je serais content. Mais j'ai écouté beaucoup d'interviews puis le groupe pense pas vraiment refaire d'album parce que ils sont tous dans leur projet maintenant, tu sais, Cillian Cover. Wade est tellement heureux avec Gallows, justement le chanteur. George, il a ouvert un pub à Toronto. Ok. Où est-ce qu'il performe souvent avec son groupe Dead Tired. Ils ont tous des side projects. Ce que les gars disent, c'est qu'Alexandre Fire les ont amenés à une place où est-ce qu'ils ne pensaient jamais aller au niveau musical. Ben, je pense que c'est vrai ça. Ils ont tous été dans leur branche respectives où est-ce qu'ils voulaient vraiment être, tu sais. Dallas Green, un très bon guitariste pour Alexandre Fire, un très bon chanteur, mais Cillian Caller, c'est une perfection, c'est de l'art, tu sais. Fait que le gars, il est satisfait de tout ça. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Mais tu sais... Moi, je suis pas un fan, vraiment pas un fan de Cillian Caller. Ça vient pas m'en jouer. Mais c'est très calme, en fait, comme musique. C'est de la musique facile à entendre. On s'en a... J'en ai... Tu sais,
j'ai ouvert l'esprit quand j'ai vu ce projet-là arriver, tout ça. J'ai déjà acheté des albums, mais j'ai pas été capable d'accrocher, en tout cas pas autant que j'ai accroché à Alexis on Fire, ça c'est sûr et certain. Puis les gars l'ont dit, ils voulaient pas justement, ils voulaient arrêter pendant qu'il y avait encore du fun. Ils voulaient pas que ça devienne un travail. Épuiser tout ça. Ils vont faire des shows, ils vont sûrement, j'espère qu'ils vont ressortir un album un jour. Peut-être pas tout de suite, mais je le souhaite vraiment. C'est en quelle année? 2012 le dernier? Oui. En fait, 2012. En fait, le dernier album, c'est Death Letter. C'était un album acoustique. Ouais. Ils ont repris des chansons, puis ils en avaient écrit deux, en fait. Le premier album, on a parlé, Alexis on Fire. Après ça, il y a eu Watch Out en 2004, il y a eu Crisis en 2006, il y a eu Old Crows en 2009, qui est hallucinant. 2010, Dog's Blood, puis en 2012, Dead Letter. Il y a aussi... Dog's Blood, là, c'était violent à Chris, pareil. Oh, ça, c'était violent. Là, c'était un autre step, hein, cet album-là. Ouais. Je l'ai pas écouté... Étrangement, je l'ai pas écouté beaucoup, là, mais... J'ai vraiment trouvé que c'était un step pas mal plus... Tu passais de Old Crows, Young ouais. Cardinals, à ça. Ouais. J'ai fait... Tabarnak! Ouais, ça pèse. Ouais. L'album qu'on parle aujourd'hui, Watch Out, c'est avec le record de Dying Alone. Ok. Ils ont été aussi sinon avec Distort, qui est très connu, là, plusieurs albums avec eux. Vagrant Equal Visions Records aussi. Vagrant qui a Trice aussi sous son aile. On va parler de Trice, je pense. Éventuellement. Écoute, je pense qu'on peut passer aux chansons de l'album. Ouais, ben. L'album commence avec Accidents. Oh, ok. La chanson qui m'a introduit à Alexis on Fire. Chanson très solide. Il y a des variantes dans la chanson. La seule chose que j'ai trouvé sur cette chanson-là, c'est que ça part, ça rentre au poste. Et à un moment donné, il y a vraiment un bout de planant, là, dans, qu'on pourrait dire, là, dans la chanson. Là. Ouais. Puis j'ai trouvé qu'il a été étiré un peu. Ok. Moi, je suis d'accord, je suis pour ces choses-là qu'on fait, que les bands font souvent quand même. Mais je trouve vraiment qu'il a été tiré. En show, c'est hot. Ouais. Mais sur l'album, il aurait pu le faire plus court. Parce qu'en show, ouais. Il te prépare et il t'amène à quelque chose. Mais dans l'album, je trouve que c'est juste un bout avant la fin. Je trouve que ça s'étire un peu. J'ai un petit peu moins aimé ça. Mais on le voit, tu sais, comme tu dis, la première chanson. Il tire, ils font un bout de plus long. Il essayait. Il était en début de carrière, puis ils ont sorti avec Season Fire. Cet album-là, écoute, ils ont eu du fun, là, ça jouait rapidement. Ah ouais, là, ouais. On s'entend, les chansons, c'était un assez. C'est pas mal plus garoché, c'est le garoché, premier. Puis, autant le screen que clean, il n'y avait rien qui était parfait, mais c'était beau dans l'imperfection. Des fois, il y avait des moments, là, tu dis, wow. Autant que la voix de Dollars Green. Que t'écouterais sur les derniers albums. Mais tu vois l'évolution du scream de George, tu vois l'évolution du chant de Dallas. Ouais. Il y a vraiment. Les guitares aussi, en fait, parce que les guitares, même sur le premier album, tout... t'écoutes les notes en live, là, c'est tough à jouer ce qu'il faisait. Ben, moi, là, il est vrai. Voyons, Dallas, pas Alexis, je sais pas pourquoi j'allais dire ça, là. Mais Dallas, là, il chante et il joue dans ces tunes-là. Ouais, ça c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est quelque chose, là. Ouais, des overruns sur une guitare, là, Ah, il est vrai, c'est vraiment des bons musiciens, ouais. Pour vrai, là. Puis, fait que c'est ça, ça commence avec Accidents. Après ça, ça s'en va avec. Control. Des cœurs, on s'entend, là. Tu te rappelles-tu des vidéoclips? Ouais. Moi, je me rappelle, là. J'étais plutôt jeune, mais. J'adorais ça. Écouter les vidéoclips de ces chansons-là. Là. Moi, c'était les premiers vidéoclips, en fait, que... Non, pas vrai, c'était pas les premiers vidéoclips. Mais non. Non, c'est ça. Non, mais c'est sûr que je me souviens plus, parce que je me veux pas, je les ai dans mon cœur. Ouais, mais ça, moi, qu'est-ce que j'ai trouvé là, avec Control, là, ça continue avec des riffs de git puissants, encore. Ouais. Qui accompagne vraiment bien le scream de George, man. Ah. C'est vraiment, là, ça rentre là, au poste. Puis, un moment donné, là, ça coupe, bang! Là, c'est Dallas qui embarque. Là, c'est vraiment calme. Là, ça vient calme, un moment donné. Coup de poing dans la face, on repart, bang!
Parle-nous un peu du scream de George, parce que toi-même, Alex, tu fais du scream, puis je sais que c'est particulier, le scream de George. Ouais, mais qu'est-ce que j'aime du scream de George, c'est vraiment que c'est un scream. Je dirais quasiment que c'est un scream de désespoir qu'il fait quand il chante. Il va le chercher au fond de ses tripes, puis ça se ressent. Si je me trompe pas, c'est du NL qu'il fait. Ouais, lui c'est NL. C'est ça, c'est NL. C'est, juste pour dire au monde qui nous écoute, si vous connaissez pas le scream, le NL. NL, c'est plus difficile à faire. C'est plus difficile à faire parce que c'est en respirant, c'est ça. Ouais, en inspirant. C'est en inspirant. Tandis que le XL, c'est en expirant. Ouais, ben, ça le dit. NL. Excel. C'est assez compliqué. Il y a une question de muscle, de ouais, ouais. De comment c'est de le faire comme il faut pour pas te scraper avec ta gorge. Mais tu vois qu'au début, tu sais, mettons qu'on écoute Alexis on Fire, tu vois qu'il fait avec sa gorge. Ouais. Parce que, un, il est moins comprenable. Ouais. Il y a moins de technique, en fait. C'est ça. Il y a moins de technique. Tu t'entends moins qu'est-ce qu'il parle, qu'est-ce qu'il dit, ses paroles. Puis après ça, tu. Plus ça avance, puis de plus en plus il devient compréhensible. Ouais. Puis tu vois dans Old Crowds, man, tu comprends tout qu'est-ce qu'il chante. Ouais, complètement. Tu comprends tout qu'est-ce qu'il chante, puis il est aussi violent qu'il était. Là. Ouais. Puis en tout cas, c'est vraiment un gars talentueux. On va se le dire, moi personnellement, l'album Watch Out, je suis en amour avec cet album-là. Mais je connais toutes les bouts par cœur de Dollars Green, mais je mentirais si je disais que je connaissais toutes les tunes par cœur aux paroles, c'est impossible. Je veux dire, il y a plein de choses que je comprends pas, puis c'est normal, parce que le scream, je veux pas, il était comme ça à ce moment-là, de George. Ah ouais. Mais c'est excellent. Et c'est pas. Néanmoins, je connais pas moins les chansons pour ces raisons-là. Les chansons, on les connaît, là, t'es connais comme moi. Puis c'est juste que les paroles, je veux pas, c'est tough à suivre. Le scream, il est assez complexe. Ouais, puis comment. La façon qu'il chante aussi. Tu sais. Ses beats qu'il fait en chantant, puis c'est pas toujours facile à suivre non plus. Puis ça rajoute de la difficulté aussi parce que tu sais, tu vas faire ton show là, puis faut pas qu'il soit trop essoufflé, puis le gars aussi, il se garoche d'un bord puis de l'autre pareil. Puis il scream d'une façon, selon moi, un peu plus compliquée. Mais il s'empêche de rien. C'est vraiment là, il faut que t'aies une bonne technique vocale pour être capable de faire ça. Je sais que beaucoup de monde disent que c'est du gueulage, c'est du bruit, que c'est. Non, c'est... Mais faut vraiment là, que vous vous attardez à ça parce que le scream, c'est vraiment une grosse technique vocale. Ouais. On peut-tu aller avec la troisième chanson de l'album? Ouais. It was Fear of Myself That Made Me Hot. Bon, ok. Cette chanson-là, je trouve qu'elle a différentes phases dans la chanson. T'as une première phase qui est plus planante avec Dallas, plus au chant. Puis à un moment donné, ça augmente, elle est beaucoup progressive. Ouais. Je trouve, ben, Alexander Fire, c'est quand même assez progressif, je trouve, dans leur chanson. Cette chanson-là... Alexander Fire, je t'interromps, mais Alexander Fire... Les gars sont tous fans du band Rush, qui est probablement le band le plus progressif que la planète a connu jusqu'à ce jour. Là. Puis, selon moi, on peut s'estimer longtemps, mais les gars sont fans de Rush, toute la gang. D'après moi, là, Jack serait pas d'accord avec toi s'il serait là. Probablement, mais il est pas là. Jack, tu me laisseras un commentaire dans le bas sur Facebook, je vais pouvoir te répondre après. Avec un beau vidéo de Rush de 2 heures. non, c'est ça, mais tu sais, les gars, c'est des gros fans de Rush pis de métal progressif, etc. Fait que tu le vois dans leur musique, là, c'est jamais la même chose. Pour avoir appris des chansons de cet album-là à la guitare, tu peux pas les jouer sans partition. Il faut que t'aies des partitions devant toi. Du par cœur là-dessus, moi personnellement, je suis pas capable. Ouais. Fait que, pour continuer mon idée que je disais, là, ça, pis t'as la première phase qui est plus planante avec Dallas. Et après ça, dans la deuxième phase, je te dirais, le beat augmente, puis les riffs deviennent de plus en plus violents. Puis Dallas, il y a encore la majorité des paroles, on pourrait dire, qui chantent. Puis là, tu commences à entendre George, qui embarque tranquillement. Puis après ça, t'as la troisième phase de la chanson, que là, c'est George qui a la majorité des paroles. T'entends un petit peu encore Dallas en background.
Mais là, c'est coup de poing dans la face, pis ah ouais, tassez-vous de là, parce que nous autres, on s'en va là, t'embarques dans le bateau ou t'embarques pas. Ouais, ouais. Pis c'est vraiment là, c'est une excellente chanson, là, pis c'est une chanson, selon moi, c'est une des chansons les plus complètes de l'album. Oui. Après ça, on va dans la quatrième chanson. Oui, Sidewalk When She Walks. Ouais, celle-là, je trouvais que c'est plus, sans dire le mot balade, mais c'est une chanson beaucoup plus calme que, que le reste. Selon moi, on n'entend pas du tout, si je me rappelle bien, George dedans. George ne chante aucunement dans cette chanson-là. Ouais, c'est ça, je me laisse noter là. On n'a pas le droit au traditionnel scream de George dans cette chanson-là. Mais c'est une très bonne chanson pareil là. Oh oui. T'as-tu des chansons, si tu veux continuer un peu là? Oui, ben en fait, on tombe la cinquième chanson de l'album qui est ma chanson probablement préférée à la vie d'Alexis on Fire, mais j'aime tellement leur chanson. Ok. Je pense qu'en fait, c'est le vidéoclip qui m'a marqué quand j'étais plus jeune. Hey, it's your funeral, mama. Cette chanson-là, écoute. Le début, on part avec un beau stream. The sky is blue, the grass is brown. C'est malade mental. La tune, j'ai noté, je me suis noté que je trouvais qu'il y avait un bon dosage entre le scream et le clean. Je trouve que dans cette chanson-là, là, Alexis on Fire ont vraiment été chercher le meilleur dosage entre les deux. Parce que tu regardes, admettons sur l'album, après ça, la sixième chanson, on a No Transistory qui est un classique, un bloc fondateur d'Alexis on Fire. La septième, Sharks and Danger. Écoute, tout le monde connaît cette chanson-là aussi, là, c'est une perfection. Puis après ça, on a That Girl Process. Juste ces quatre chansons-là, une après l'autre, là, tu viens d'entendre, je pense, 12 ou 13 minutes d'un show d'Alexis on Fire parce qu'ils font ces quatre chansons. Ouais, tout le temps. Quasiment tout le temps, ouais. Après ça, on a White Devil qui est connu aussi, Get Fight, puis la 11e et non la moindre, la dernière de l'album. Je me rappelle aussi du vidéoclip, je sais pas si toi tu t'en rappelles, c'était vite de même, non. Happiness by the Killerwood. Écoute, le premier vidéoclip qu'ils ont fait un peu dans le noir avec des images, puis il y avait beaucoup d'éclairage. Cette chanson-là est hallucinante. Là. Tu veux quoi de violent? Tu veux que ça bouge, du gros headbang, pousser du monde, du trash, il y a tout là, tu retrouves du métal, du punk, du hardcore. Ah, c'est un beau mélange, ils font vraiment là, Alexis on Fire font un beau mélange de plusieurs styles là. Ouais. Tu sais, t'as les bouts avec Dallas qui vont sonner beaucoup plus punk, je te dirais, c'est lui qui chante. Tu vas le remarquer dans les riffs de Git, c'est plus punk, moins hardcore, quand George embarque, le hardcore sort du band. Puis je trouve que c'est une belle façon d'amener le groupe ailleurs parce que ils se ferment à rien dans le fond. Non. Ils vont, on a envie de faire ça, on fait ça. Puis t'embarques dans le bateau ou t'embarques pas, comme que je disais tantôt. Puis c'est vraiment un bon band pour te lancer vers d'autres choses qui va être plus underground. Tu sais, pousser, là, mettons, c'est un bon band qui va t'amener vers Bane, Terror, Stick to Your Guns, des choses beaucoup plus raw, beaucoup plus street, on pourrait dire. Mais ça, c'est vraiment, là, tu sais, au secondaire, je me rappelle, là, que moi, j'étais au secondaire, là, quand j'écoutais plus ce genre-là. Puis je me rappelle que il y avait beaucoup de filles qui aimait Alexis on Fire, le genre d'Alexis on Fire, pas nécessairement à cause, oui, à cause du beau Dallas, là. Mais il y avait beaucoup... pas toujours été beau par contre, tu te rappelles-tu de ses beaux favoris? Ouais. Moi je m'en rappelle. Mais, tu sais, non, mais il y a toujours, tu sais, il y a beaucoup de filles qui trippaient sur Alexis on Fire, mais qui écoutaient pas rien d'autre dans ce genre-là. Ouais, exactement. Fait c'est très accessible. Là. C'est très accessible, c'est très, très. C'est unique en fait. C'est vraiment unique. Puis c'est. Je trouve aussi que c'est vraiment là, un band qui a marqué notre génération. Oui. Tu sais, notre génération là, de. Mettons, moi j'ai 25 ans. Là. Ouais. 20. Jusqu'à. Mettons, 20, début trentaine. Là. Ouais, jusqu'à 32. Là, cette branche de 10 ans là. Ouais. Ça a vraiment là. Vraiment marqué cette génération-là, en fait, je pense. C'est ceux qui ont connu, tu sais, on peut parler de plein de sortes de bandes, mais tu sais,
AFI, Silverstein, Trice, Billy Talent. Ouais. Tu sais, eux autres, ou même juste au niveau québécois, tu sais, extérieur. Là. Si t'as écouté extérieur au secondaire, c'est sûr. C'est sûr que tu peux avoir trippé sur Alexandre Fire. C'est sûr que tu peux avoir trippé sur Alexandre Fire, un moment donné. Non, c'est vraiment unique comme genre de musique. Ouais. Fait que. J'aimerais ça qu'on s'en aille vers ta chanson préférée de l'album. Oui, oui. Ben, est-ce que tu peux me dire ça, s'il te plaît? Ouais, ben en fait, je dirais, c'est sûr que ma chanson préférée, c'est It's Your Funeral Mama, mais j'aimerais ça faire plaisir aux auditeurs parce que j'espère que le monde va aller écouter la chanson que je vais donner. No Trendy Story. Ok. Pour vraiment mettre le monde dans l'envie d'écouter Alexis on Fire, moi je conseille cette chanson-là. Bon, c'est good. Moi, ma chanson préférée, je vais y aller avec It Was Fear of Myself That Made Me Odd. Je trouve que moi, c'est cette chanson-là que je veux vraiment que le monde écoute. C'est la progression, hein? Ouais, parce que je veux que le monde puisse voir qu'est-ce qu'Alexandre Fire sont capables de faire. Ouais. Beaucoup fait de progression, comme tu disais tantôt. Là. Ouais, fait que c'est vraiment là une place que j'aimerais amener nos auditeurs à aller écouter. T'as-tu une chanson que t'as peut-être un peu moins aimée? Non. Non, pas encore. C'est impossible. Ok. Même si j'essaye sur n'importe quel album dans Alexis on Fire, je pense que c'est impossible. Je dirais que moi, il y en a une qui est moins venue me chercher. Ok. Je dis pas que c'est une chanson que j'aime pas, mais moins venue me chercher, c'est Sidewalk When She Walks. Ok. Je sais pas, je trouve qu'il y avait un gros clash entre l'autre d'avant, qui est ma chanson, If I Was Fear of Myself. Je trouve que ça faisait un gros clash entre les deux, parce que la chanson, là, elle perd beaucoup d'intensité, je trouve, dans cette chanson-là. Puis, aussi le fait que George n'est pas là, moi, j'aime vraiment le contraste des deux voix ensemble. Ouais. Puis, maintenant, tu sais, que je connais City and Color pis tout ça, oui, c'est pas du City and Color, mais j'ai de la misère tu sais, ça fait trop juste Dallas pis je trouve que ça pourrait être de quoi qu'il aurait pu peut-être arranger plus City and Color ou... Ouais. Je trouve, en tout cas, personnellement, là, c'est sûr que ça sonne pas du City and Color parce que City and Color, c'est quasiment de l'acoustique, là. Ouais, mais... Mais en tout cas, c'est moins venu me chercher que le reste de l'album. Je vais te demander ta note sur 10 de l'album. C'est un 10 sur 10. 10 sur 10 sur cet album-là? Oui. Je te dirais, en fait, je dirais qu'au niveau musical, je peux pas donner autre chose que 10 sur 10. Puis la pochette, écoute, c'est un 2 pour 1. T'achètes l'album, là. Autant pour les oreilles que visuel. La pochette, là, tu vas vouloir l'accrocher dans ta chambre. C'est un fan là, de musique, de punk, de métal, de tout ce que tu veux des alternatifs rough. Là. Tu vas adorer accrocher ça dans ta chambre. Les couleurs sont c'est extrême. Là. C'est pas un album plat. Non. Si on s'entend quelqu'un qui découvre la musique, qui va aller dans une boutique, un disquaire, là, il va aller chercher un disque, là. Ça va flasher tout de suite dans sa face, il va vouloir l'acheter. Là. Pis je pense pas que c'est bien cher cet album-là. Là. Devriez vous en tirer. Non, une dizaine de piastres. Non, juste un bout de piastres, cet album-là. Bon, ben que. Pour ça, aujourd'hui, ça va. Je vais donner la mienne. Je vais pas donner la mienne. Moi, je vais donner un 8 sur 10 sur cet album-là. Okay. C'est un très bon album, je trouve. Il y a des petites choses qui. Des petites longueurs ici et là que j'ai trouvées dans différentes chansons avec des bouts plus planants que j'ai trouvé qui étaient trop étirés ou mais ça c'est un goût personnel ouais, fait que pour finir l'émission on va y aller avec nos chansons préférées ouais. Ta minute là la tienne qui pas ta préférée mais celle-là que toi tu voulais faire entendre No Transistory je vais mettre ta chanson préférée quand même qui est Hey It's Your Funeral Mama ouais. Puis dans le fond, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais mettre It Was Fear of Myself That Made Me Hard en premier. Okay. On suit après ça avec No Transistory, puis on finit avec It's Your Funeral Mama.
Fait qu'on se voit la semaine prochaine. N'oubliez pas d'aller nous voir sur iTunes, Google Play, notre Facebook, Du bruit à mes oreilles, podcast. Puis sur Balado Québec qui nous héberge. Fait qu'on se voit la semaine prochaine. Merci Frank. Et à la prochaine.
toi.